Le Dubuisson Birstorium est un musée interactif que nous avons inauguré à l'occasion de nos 250 ans. Et l'objectif était ici de pouvoir faire découvrir au grand public le savoir-faire de la brasserie Dubuisson, mais aussi son histoire et son passé familial. Le Birstorium est un peu un retour aux sources pour la brasserie Dubuisson, puisque son histoire a commencé dans ses bâtiments. Joseph Leroy, qui était le tout premier ancêtre de la famille Dubuisson, a commencé à brasser dans le château de Ghisoni. Et donc 250 ans plus tard, pouvoir y installer un musée, c'était un petit peu la possibilité de faire un retour en arrière 250 ans plus tôt. Inauguré en 2019, le musée se veut accessible aux familles. Il est d'ailleurs très interactif. J'ai pris des bousses de boussin. Ah ah ah. Choco Pogadèche. Nous permettons au public de découvrir le musée via des solutions comme la réalité virtuelle, mais aussi via des écrans didactiques. Et puis nous avons aussi une petite spécialité, c'est que nous avons un côté très ludique, puisque nous proposons un escape game avec les trolls de la cuvée des trolls. Donc dans chacune des pièces du musée, il y a la possibilité de résoudre une énigme et pour avancer dans le jeu, et donc découvrir la bière tout en s'amusant. Du haut de ses 250 ans d'histoire, la brasserie Dubuisson est la plus ancienne de Wallonie. Et pourtant, cette aventure n'aura pas été un long fleuve tranquille. Il y a la possibilité de découvrir comment la brasserie est arrivée là où on est maintenant, et puis de comprendre un petit peu mieux l'histoire de la famille et l'histoire des lieux. Le musée permet également de découvrir la dizaine de bières produites par la brasserie Dubuisson et leur caractère. On découvre également les ingrédients et les étapes pour obtenir le précieux breuvage. Une machine exceptionnelle permet de mieux comprendre les étapes du brassage. C'est une microbrasserie qu'on appelle la Lipuline. C'est une microbrasserie qui a été prévue et qui a été confectionnée par un professeur de HAT avec ses élèves en électromécanique. Et donc c'est la plus petite unité de brassage au monde. Elle fait 3 litres, elle a fonctionné. Et aujourd'hui nous l'utilisons pour expliquer comment la bière est fabriquée et quelles sont les différentes étapes du processus de brassage. Découvrir. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be.